Avec des insectes? Allez. C'est là. C'est là. C'est des nouilles. C'est des pâtes. On part sur des pâtes. C'est un peu plus farineux. Elles ont une texture bizarre par rapport aux pâtes que je mange de chez moi. Est-ce que ce serait pas des penne genre au blé complet ou une connerie comme ça? Je sais pas s'il y a du maïs. Peut-être au maïs. Blé. Polenta. Il y a un truc ultra naturel, mais je saurais pas du tout dire. Mais c'est bon, ça a du goût en fait. Ça a goût de, je pense, de pâte au blé complet. Ça ressemble à un gros crunch. Du muesli ? Des céréales. C'est pas comme des céréales avoine ou quoi. Je sais pas s'il y a plusieurs ingrédients qui sont dedans. Non, c'est pas au chocolat. Je dirais fruits rouges. Il y a des bouts de fruits rouges non, dedans. Non, franchement, c'est ultra bon. Moi, je mangerais bien ça au petit-déj. C'est quoi ? C'est un peu mou. Il y a une texture ultra pâteuse. C'est pas du nougat, c'est clair, mais c'est un peu... C'est limite de la pâte de fruits. Comme de la pâte de fruits. Ça ressemble à une pâte de fruits, mais sans la texture de la pâte de fruits. Je sais pas, c'est très sucré. C'est sucré. Ça a l'air très riche en plein de choses, genre il y a plein de trucs dedans, j'ai l'impression. Je dirais framboise. Moi je dirais cacahuète, flocons d'avoine, des fruits rouges. Je sais pas, c'est pas des barres de céréales un peu énergie, granola. Mais c'est pas les trucs genre tu manges et ça te fait un repas entier. Après, n'empêche que c'est ultra bon. Ah non, des criquets. Oh, arrête. À la farine d'insectes. Mon dieu. J'ai mangé ça. Je m'attendais pas à des insectes. Ça ressemble aux fruits à coque. J'aime trop. Franchement, c'était bon. Et c'est quoi l'intérêt de mettre des vers? C'est les protéines? Les insectes, c'est la nourriture de l'avenir. Ça coûte pas cher, il y en a plein, ça se reproduit par milliers. Et c'est hyper écolo surtout. Donc c'est cool comme produit. J'aime bien.